peut faire la paix. Osiris, mon bien-aimé. Je manque de temps, Isis. Tu as rétabli une grande partie de mon pouvoir, mais ma place est au royaume des morts maintenant. Père, vous ne pouvez pas partir. Pas encore. Ainsi va le monde, fils. Seth va vouloir se libérer. Et la douate ne le retiendra pas éternellement. C'est un cycle. S'il y parvient, nous serons là. Si nécessaire, nous l'arrêterons à nouveau. Il faudra toujours rester sur vos gardes. Mortels, vous avez accompli le travail des dieux aujourd'hui, et je vous suis infiniment redevable. La malédiction de Seth ne pèse plus sur vous. Vous êtes libre. En attendant mon retour, chère famille, sachez que je vous aime et que je veillerai sur vous. Croft, je vous dois des excuses. Si j'avais pas touché au sceptre... Tout ça est derrière nous, Carter. Ça aurait pu être de ma faute si j'avais couru plus vite. Vous avez pas intérêt à le répéter, hein, mais ça a été un sacré honneur de travailler avec vous. Je serai muette comme une tombe. Et... pareillement. Si vous revenez ici un jour, venez nous voir. Votre aide nous sera précieuse. Seth ne restera pas mort éternellement et la lutte n'est pas terminée. Vous pouvez garder les trésors que vous avez trouvés, tant que vous les mettez au service de la lumière. Au revoir, et qu'Osiris vous garde. La malédiction levée, nous étions libres de choisir notre propre chemin et de partir sans nous retourner. Mais il existe de nombreux chemins et certains choix sont plus faciles que d'autres. Seth reviendra et les dieux auront besoin de mon aide. Ce jour-là, je serai prête.